Coucou les filles, donc là je vais préparer pour le dessert un cheesecake new-yorkais, donc avec cuisson. Donc je vais vous montrer la recette, les étapes en images. Donc là je vais mettre 180 g de spéculoos. Donc il faut mettre autre biscuit si vous voulez, Oreo ou biscuit au beurre, comme vous voulez. Donc voilà, j'ai mis 180 g de biscuit et on va venir mixer 5 secondes vitesse 9. Donc voilà, donc on obtient une poudre de spéculoos. Donc là, cette poudre-là, vous pouvez même aussi vous pouvez faire cette étape aussi pour quand vous faites des tiramisu ou des biscuits autres. Et là, on va venir ajouter le beurre. On va mettre 70 g de beurre. Voilà. Et on va venir fondre. 3 minutes 30, 60 degrés, vitesse 2. Alors, donc là, je les ai mis dans des empreintes individuelles. Donc, je mets sur le côté, on a préchauffé le four à 200 degrés et on va faire la crème. Donc là, j'ai mis 180 g de sucre, on va venir mettre un zeste de citron. Donc là, on va venir pulvériser 15 secondes, vitesse 9. Donc voilà, on a du sucre glace au citron. Donc là, on va venir mettre le fouet. Voilà. Donc j'ai mis mon fouet, j'ai mis ma crème fraîche 150 g, j'ai mis deux pots de mascarpone de 250 g, j'ai mis 150 g de Philadelphia. Je mets 3 œufs et 2 jaunes. Et un sachet de sucre vanillé. Et on va venir mélanger le tout. Une minute. Vitesse 4. Donc là, la minute est terminée. Donc j'ai oublié de mettre les deux cuillères à soupe de maïzena. Donc je les ai mis. Et donc là, on va venir mettre dans les moules. Donc là, avec la préparation, on va venir remplir les empreintes. Et on met au four 10 minutes à 200 et 60 minutes à 100 degrés. Donc voilà, j'ai réussi à remplir mes 6 empreintes. Donc là, ça part 15 minutes à 200 degrés, après on descend à 100 degrés pendant 60 minutes.